Le chanteur Alain Souchon s'est confié sur sa vie de famille, et révèle ne pas avoir bien géré son rôle de père, vis-à-vis de Pierre et Charles. C'est l'occasion de se pencher sur cet artiste très discret, qui n'était pas très présent pour ses enfants. Alain Souchon est l'interprète de Foule Sentimentale. Celui-ci a accepté de se livrer dans un numéro de Paris Match, paru le 3 décembre 2020. C'est au cours de ce dernier, qu'il a fait quelques confidences au sujet de sa famille. En effet, Alain Souchon a peu de souvenirs de ses deux fils, Pierre et Charles, âgés respectivement de 48 et 42 ans en 2020. Le compagnon de Françoise reconnaît avoir peu de souvenirs d'enfance de ces derniers, parce qu'à cette époque, il était souvent occupé au travail. Alain Souchon se produit lors de la 35e édition du spectacle Les Victoires de la Musique. Photo, Getty Images. Il n'était pas proche, plus besoin de le présenter, Alain Souchon est un artiste incontournable de la scène française. Celui-ci est un auteur-compositeur-interprète, qui est à l'origine des succès Allô Maman Bobo ou encore Foule Sentimentale. Alain est père de deux fils, Pierre et Charles, qui ont suivi ses pas, dans l'univers de la musique. Même s'il les aime très fort, ce dernier est conscient de ne pas avoir joué son rôle de père comme il aurait dû. Alain Souchon se produit lors de la 35e édition du spectacle Les Victoires de la Musique. Photo, Getty Images. Il se confie sur cette période difficile dans le numéro de Paris Match paru le 3 décembre 2020. Le chanteur se confiait avec beaucoup d'émotion. Le rôle de père, je ne l'ai pas bien fait. Je n'étais jamais là, j'étais sur les routes, je ne pensais qu'à moi, mes chansons, mon travail. J'avais la tête ailleurs. Alain Souchon se produit lors de la cérémonie des SACEM Awards 2019 le 2 novembre 2019 à Paris. Photo, Getty Images. Même s'il reconnaît ses torts, celui-ci révèle qu'il ne regrette pas ses choix, car sa carrière le méritait bien. Par ailleurs, Alain faisait aussi allusion à sa complicité avec son meilleur ami Laurent Voulzy, qui n'est pas complètement étranger à sa situation. Point. Si j'ai été un père absent, c'est de la faute de Laurent, rire. Désormais tout va bien à présent, Alain Souchon essaie de rattraper le temps qu'il a perdu avec sa famille. Selon ce dernier, ses enfants se débrouillent assez bien. J'ai eu de la chance toute ma vie, moi qui vais bientôt avoir 80 ans. C'est curieux mais extraordinaire de vivre ça. Alain Souchon participe à la journée caritative Aurel BGC 2018. Photo, Getty Images. Les années passent, et Alain Souchon mène désormais une vie paisible. Après l'histoire d'Alain, vous avez aussi la possibilité de découvrir celle de France Gall. Découvrez les hommes qui ont marqué l'histoire de cette dernière. France Gall assiste au Globe de Cristal Awards 11e cérémonie au Lido le 30 janvier 2017 à Paris, France. Photo, Getty.